De retour dans cette société commutaliste, bien sûr, de Cult of the Lamb. Nous sommes back. Alors, si vous n'avez pas vu le dernier épisode, il se passe un petit truc. Ça détruit les lits. Voilà, les gens ont décidé de détruire tous les lits. C'est pas top. Je suis d'accord avec vous, c'est pas top. Après, voilà, bon, c'est la life, hein, c'est comme ça. Moi, qu'est-ce que je vous dis, hein. Je vais revenir, ils vont gagner un niveau. Ouais, juste que depuis tout à l'heure, il y a une mise à jour Windows Update de merde qui vous cache mon écran. Voilà. Tout va bien. Quand je vais revenir, tout ira mieux. On n'en pas douter. Ranlaris nous a quittés. Ah. Ranlaris, voyons. Ranlaris, il est où, Ranlaris? Ranlaris, 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 Ranlaris. Ah, il est là, Ranlaris. Viens, viens, viens. Viens. Bon, Ranlaris. Je peux exhumer encore? Ah non, je peux pas. Pardon. Je vous jure, je l'enterre, Et si à Godfroy, putain, j'allais bosser. Et si nous faisions les farces aux autres membres du culte? Et Théa Pandeuf est toujours la fine bouche. Apparemment, un plat à blase d'excréments. Tu veux, hein? Et Théa Panda, tu veux manger un plat de caca? Ah, je vous écoute, hein. Je vous écoute. Ça me fait chier de vous écouter, mais je vous écoute. Je croyais que vous l'aimiez, Théa Panda. Je croyais que vous l'aimez bien, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça, Théa Panda? Je croyais que vous l'aimiez. Oh non! Théa Panda est malade, c'est de votre faute. Et Théa Panda a-t-elle un lit? T'as un lit, Théa? Allez, va te reposer. J'ai plus de lit, je vais devoir dormir sur le sol. Bah, la faute à qui? Attendez. Depuis le temps que... hein, bon. On va pour le construire, ce petit centre de soins. On va mettre à côté de chez vous. C'est comme un deuxième lit. Putain, je peux aller bosser, moi. Attendez, je vous attends. Comment ça vous faites la gueule? Bossez plus vite que ça! N'oubliez pas qui est votre leader. Merci. Merci à tous. J'essaie de construire, voilà. Vous êtes contents. Maintenant. Etaya Panda, OMG! Voilà, Etaya. Tu vas mieux. Attends, Etaya. Voilà. Dis rien aux autres. Voilà. Mais attendez, c'est énorme ce qui se passe. Vous allez pouvoir avoir de meilleurs lits. Ça coûte combien? Bah non, mais je l'ai pas encore débloqué, je suis con. Abri agréable. Vous allez avoir de meilleurs lits. Maintenant, la question est combien ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que je peux en avoir pour tout le monde? La réponse est probablement non. Ah ouais, la réponse est non. Mais déjà, on va commencer à en faire. Un là. Voilà, déjà. Déjà, ce sera mieux. Non, il va falloir charbonner. Beaucoup de bois, moi. Alors charbonner, les gars. Alors charbonner, iné, ça date pas d'hier, mais bon. On va y arriver. Tous ensemble, vous aurez de meilleurs lits. Godfroy, tu es content? Vous êtes si drôle, merci, je sais. Au fur et à mesure, vous finirez par avoir tous des lits agréables. Attention. Oh non, vous pouvez pas dormir. Attendez, je vous construis au moins celui-là. Pour prouver que je suis pas de mauvaise voix, quoi. Voilà. Et ceux qui veulent dormir, bah... Non, je veux juste prendre la viande, mon perso. C'est drôle, quand ils sont vieux, ils dorment pas, les gens.
Quand ils sont vieux, ils dorment pas. Ah, je peux en refaire. Vous avez de la chance, hein. Vous avez de la chance, je peux en refaire. Tac, tac. Bon, après, moi, je veux que ce soit... je veux que ce soit even, donc non. Et je reconstruirai deux autres abris pour trois personnes. Il faut juste énormément d'or. Oh, ça coûte une blinde! Ça coûte une blindaxe! Tout est cher, hein, vous, hein. Vas-y, je vais aider, parce que là, sinon, vous allez jamais dormir. Terrible, ça, quand même. Des maisons en casse, ça casse pas. Bah, tant mieux. Faut pas que ça casse, hein. Ça, on veut pas que ça casse, hein. Qu'est-ce qu'il fout, Apollo l'alcoolo, là? En fait, il va dormir depuis tout à l'heure, là? Non, mais gros, ça sert à rien d'aller dormir si c'est à 200 000 km. Oh, c'est long de faire un lit pour quelqu'un, là. Non, 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 je suis soupli. Oh, c'est bon. L'autre, vous le construirez vous-même. Non, je me saigne. Je me saigne pour vous. Et voilà ce que je me prends dans la gueule derrière. Il me faut de la merde pour faire des maisons en merde, attention. Hein. Je peux pas mettre tout là-dedans non plus. Oh, y en a, hein. Y en a des récoltes, là. On va faire un truc. Faire un petit serment, bien sûr. Et après, vous me laissez aller bosser, hein. Pitié. Ah, Alan qui est de nouveau là. Le plus 9 qui fait bien plaisir. Le plus 9 qui régale. Merci, Alan, d'être là. Let's go. Les meilleures armes. C'est ça qu'on veut. Ok, oh! Mais non, alors on peut pas tout de suite. Oh, je dois attendre un peu. Après, pas longtemps, hein. Putain, pas loin le rituel sacrificiel aussi, hein. En tout cas, je suis fier de vous, personne ne m'a volé d'argent depuis un bon moment. Vous avez essayé au début, puis là, vous avez compris que, bon... Oh non. Oh non, hein. Qu'est-ce que vous allez faire comme connerie? Dites-moi que vous allez pas faire de la merde, pitié. Le chat Twitch est en train de voter. Je suis actuellement terrifié. Qu'est-ce que vous faites comme connerie? MKK a gagné un niveau. Oh bon. Si peu. Toute cette peur pour rien, finalement. J'ai eu peur, et il ne fallait pas. Tant mieux. Je suis fier de vous. Vivement la ferme 2. Hein. La ferme d'os. Allez, bon, faut que j'aille bosser, moi. Comment ça? Ça fait rien, là. Oh, 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 oh. Pas besoin de pierre, on l'a vu. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Pourquoi vous vous barrez? Oh, Godfroy, encore, encore. C'est tellement amusant, et si on remettait ça, et Yapanda va finir par trouver ça drôle, c'est certain. Vous êtes, Attendez. Sur le chat. Hop. Est-ce que vous voulez qu'on accepte cette quête? Sachant que si on accepte cette quête, vous avez une minute. Si on accepte cette quête, mesdames et messieurs, c'est très simple. Vous, hop, je mets le sondage. Voilà. Ah, trop bien le sondage. Merci, merci pour les cookies. Voilà. Tac. Si on accepte, du coup, vous voulez vraiment forcer Teia Panda, qui était, je le rappelle,
votre petite favorite du chat, vous la forcez à bouffer de la merde. Si on refuse, il y a combat à mort entre Eteia Panda et Godefroy. Et vous allez régler ça. Sachant, le gagnant meurt. Le perdant meurt. Attention. Et si égalité, joue-tu tous les deux. Attention. Le commutalisme. Vous voulez accepter qu'elle bouffe de la merde. Très bien. Parce qu'apparemment, je suis quelqu'un d'extrêmement drôle qui fait manger de la merde. C'est joueur, c'est top. Ça fait plaisir. Bon, Eteia, bien sûr. Eteia, elle est où, Eteia? Allez, Eteia. Je veux pas voir ça, je veux pas voir ça. Je regarde de loin. Je suis désolé, Eteia, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai demandé. Putain, Eteia, encore malade. Viens pas en avoir marre, Eteia. Eteia, je suis désolé, je suis désolé. Donne-moi de l'argent. Va te reposer, va te reposer. Golf, en tout cas, c'est cool. Attends, il s'est looté de rien, il va juste plein d'excréments, ça n'aura jamais rien dans la tête. T'as une corne sur la tête, je sais pas si c'est les pleins d'excréments qu'on t'a planté dans la gueule, mais bizarre. Putain, je dois encore soigner Eteia. Allez, va dormir, Eteia. Ah, même pas besoin de dormir, finalement. Ah, je récolte. Bon, ça avance ou pas? Quelle est la morale de tout ça? Alors... Pas forcément de morale dans tout ce qui se passe dans ce camp, malheureusement. J'aimerais vous dire qu'il y en a une, mais pas toujours. Très peu de moralité dans ce camp, je trouve. Putain, ça coûte une blinde, vos trucs. Par pitié des dons, oui. Apparemment, je peux faire un truc... Ah oui, je peux adopter une nouvelle doctrine, là. Nouvelle règle. Alors... Nouvelle règle, mesdames et messieurs, ça y est. Nous y sommes. Troisième tour. Et si on commençait par travail et prière, cette fois-ci? Parce que bon, la bouffe... Oh, quoi que la bouffe, si, hein. Vous mangez encore un peu trop. Débloque le visuel permettant de faire pousser immédiatement toutes les graines déjà plantées ou d'augmenter les chances de pêcher les poissons spéciales et... Toujours pas compris à quoi servait ce rituel-là. Allez, vous allez, on va pouvoir faire tout pousser. Le jour où j'aurai vraiment que ça à foutre, hein, vraiment, parce que pour l'instant ça va. Mais c'est cool. En plus, ça vous fait plaisir, visiblement. Donc, let's go. Visiblement, c'est un rituel qui vous fait plaisir. Merci. On le fait pas tout de suite. Par contre, vous avez déjà faim. Non, mais c'est insane. Vous mangez trop, là. Plat de viande supérieure. Ah ouais. 75% de chance de régénérer les ressources. Ah ouais, mais... À quel prix, quoi? Encore un petit plat de poisson, là. Qui donne envie de gerber. Quoi, ça? Mélange ordinaire. 1% de chance d'augmenter la fidélité. C'est bien, aussi. La diarrhée. Et... plat de viande. Voilà. Cuisine, on cuisine variée, ici, pour tous les goûts. On remarquerait que ça change d'un ami à moi qui arrêtait pas de vous faire des plats d'herbe et qui de temps en temps vous demandait même pas de manger. Hein. Vous demandez de pas manger pendant 3 jours. Ça change. À rappeler que ce mec se faisait passer pour quelqu'un de sympa quand même. Quelqu'un de sympa, ouais, il faisait des petites décos à droite à gauche, mais bon, c'est un fils de pute en réalité. Alors qu'ici, on est en toute transparence. Ici, on se dit les choses. Vous me dites les choses, je vous dis les choses, je vous tue, vous me tuez. C'est un échange cordial. Toujours la même qui par terre. Hein. Ils se moquent entre eux. Quoi? Tomigène est en train de se battre. Oh, moi, je veux savoir qui gagne, moi. Qui gagne la bagarre, là? Qui gagne, à votre avis? Tomigène qui gagne. Tomigène, si tu ne gagnes pas, c'est un peu la honte. Hein. Ah. Quoi, il est blessé? Aïe, je souffre! Emmenez-moi pas ce soir! Non, va travailler. Donne-moi de l'argent, c'est à prendre à avoir perdu. Putain, Yuz, le nulos. Oh, t'as perdu, hein. Démerde-toi. Ah, il bosse pas aussi, du coup. Fais chier. Oh, ça coûte cher, hein, vos conneries. Arrêtez, hein.
Tommy Giel. Pas de manière ça. Ouais. Je vais aller lui dire à Tommy Giel. Oh putain, mais il est content en plus. En plus, il est fier de lui. Il est en mode let's go. Eh oh, Tommy Giel. Pas de manière. Voilà, et ça vous sert tous de leçon. Eh oui, j'engueule Tommy Giel. Eh oui, je l'engueule. C'est sa faute. Je suis engueulé. Je suis engueulé Youbs en même temps, du coup. Allez, priez plus vite. J'ai besoin de dévot, moi. J'ai besoin de votre dévotion, par pitié. Ça pour avoir le poste de ferme 2. J'attends que ça. Merci. Oh, j'attends que ça depuis plus de 20 000 ans. Oh ouais. C'est tout ce que je veux. Tout ce dont j'ai besoin. Voli, j'en ai rien à foutre. La réalité, c'est que je veux que vous fassiez des vrais trucs de fermier là. On n'en peut plus. Oh ouais. Vous inquiétez pas, je vous fais des lits aussi après. Mais ça, c'est important là. Vous allez pouvoir manger encore mieux maintenant. Ne vous inquiétez pas, on va continuer de faire en sorte que vous ayez vos lits. Ah, ça en demande des ressources ici, hein, on peut plus. Allez, toute ma richesse passe là-dedans. Tout mon argent passe dans cette histoire. Il faut que je reconstruise un truc de pierre, oh là là, on en peut plus. On en peut plus. Ouais, je vous laisse bosser, hein. Oh, Godfroy! Oh, la vie de ma mère, Godfroy, si tu me demandes encore de faire bouffer de la merde à Eteia! Dis, j'ai une nouvelle idée! Et si on fichait la frousse à Eteia par là, en l'envoyant en prison, ça serait si drôle, mais... Mais qu'est-ce que... Votez. Vous votez. 1 minute pour voter. Est-ce que vous êtes oui ou non? Est-ce qu'on envoie Eteia pendant en prison? Est-ce que vous trouvez que Godfroy va trop loin? Est-ce que vous trouvez que Godfroy va trop loin? Est-ce que on veut... Est-ce qu'on dit oui à Godfroy ou est-ce qu'on dit non à Godfroy? Ça va partir sur un non, hein. Un non majoritaire. Donc là, on dit non à Godfroy. Godfroy, va y avoir baston. Je peux me battre avec Godfroy? Tommy Giel veut se battre avec Godfroy? Tommy Giel propose une baston à Godfroy. Tommy Giel gagne la bagarre. Attends, je crois qu'on peut pas encore. Putain, on peut pas encore, désolé, les gars. Mais dès qu'on pourra, c'est dit. Vous êtes pas très content, je peux comprendre, ouais, il manque encore des lits, bon, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ah, mais je peux en reconstruire. Ah, bah non, c'est ça. Ouais, ah, bah non, je peux en faire qu'un. Mais il faut que je fasse du bois aussi, putain. Putain, mais personne fait rien, là. Pourquoi ils sont malades, là? Ah, ça va faire du bien. Ça va faire du putain de bien. Pourquoi est-ce qu'il y a des trucs de maladie là partout? Ah, j'ai pas vu. Oh, un caca arc-en-ciel. Ah, parce que vous avez chié partout aussi. Okay. Bon, les gars, moi je vous laisse dans votre tristesse. Au bout d'un moment, j'ai besoin de ressources pour aller vous faire voler. Je suis désolé que vous soyez particulièrement triste. Mais voilà. Je peux pas passer toute ma vie dans le camp. Je peux pas. Au bout d'un moment, c'est votre faute si vous n'avez plus de lit. Et ça vous sert de leçon aussi. Vous y réfléchirez. Travaillez pendant que je suis pas là. Comme ça, il y aura plus de ressources. Et quand je reviendrai, ma promesse, c'est que quand je reviens, je vous fais tous vos lits. Quand je reviens, je vous fais vos lits. Quand je reviens, je vous fais tous voler. Allez, y'a... Bim. Saucisse, c'est vieux. Oh non, saucisse. Place des bombes dans la zone. Ah ouais. M'intéresse pas le fou, hein.
Voilà, calmez-vous. Calmez-vous les monstres. Ok, sympa. Hein. C'est vrai qu'il manque un peu de déco à la zonzon quand même. Peut-être un peu pour ça que vous êtes pas content. Une chance de recevoir un poisson. Pourquoi pas, hein. J'en veux pas de lui. Ça, ça sent les légumes que j'ai fait là. Ça sent bon. Ça me donne faim de fou. Oh, des coups critiques. Merde, je les ai ratés. Petite offrande là ? Oh non, non, j'ai besoin de cet argent. Je vais pas être égoïste là. J'ai besoin de cet argent pour vous faire vos lingots d'or pour construire la vie. D'accord. On a besoin de cet argent pour construire les lits. C'est un besoin vital. Je prends les cristaux. Ça vous sera sûrement utile à un moment. Pour vous faire confiance en promesse de leader. Ah, vous pouvez, hein. Bah, vous verrez bien, hein. Si vous trouvez que lorsque je viens, je fais pas vos lits, c'est à vous de décider. Bien, j'ai pas eu lui. Hop les. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Du bois. En vrai, du bois. Hein. Oh, des cœurs, un nouvel adepte du bois et. Et de la doms. En vrai, c'est pas si ouf. Là, j'ai des. Il y a un truc, on sait pas ce que c'est. J'aime bien le risque. Après, un nouvel adepte. Hein. Vous êtes déjà tellement nombreux au camp là. Mais c'est pas grave. Tant pis. Hein. En plus, nous on l'a pas encore vu, bah oui. Oui, Rato, oui, oui. On sait, tu n'as pas d'amis. Bon, ça arrive. Ah merde, ça coûtait de l'argent. Putain, bon, il y a intérêt à ce qu'il y ait des cœurs gris là-dedans. Oh, il y en a. Là, c'est bien. Putain, ça coûtait de l'argent, je suis abattu. Hop là. J'ai l'impression qu'entre chaque stream, le problème, c'est toujours les lits. Alors là... Bah après, voilà, les gens, ils ont des revendications, hein. C'est comme ça, hein. Quand t'as une conviction dans la vie, tu la lâches pas, hein. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Merde! Il m'a chase. Hop, hop! Voilà. C'est pas fini! Mais putain, mais j'ai fait une roulade! On en a rien à foutre de ma roulade. Au secours. Oui, bouli, 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 bouli. Allez, viens là, toi! Les on va en avoir besoin de ces histoires. Oh les Z The Rebel! Comment ça, oh les Z? Le cul demain, il volera 9 balles. Bon, 9 balles, ça va. Oh les Z, t'abuses un peu. T'auras pu demander plus, hein. Bon, oh les Z, t'as qu'à prier pour que je sois pas trop rapide, hein, parce que sinon. Attention, oh les Z, hein, si je suis trop rapide, je te chope. Prends ça quand même. Hop les. Hop là. Je vais le choper moi, désolé. Oh, il veut quoi lui? Non, on s'en bat les couilles de ta vie, gros. J'ai pas le temps. Y'a quelqu'un qui essaie de me voler là. Je te vois, ODZ, sur le chat. Attention, tu vas être banni. J'ai gagné 30 secondes d'invincibilité, mais non! Bien joué ça, ça c'est très très bien joué. Très très bien joué ces 30 secondes d'invincibilité. Ils servent pas à grand chose au final. Mais marteau nécromantique, marteau vampirique. Allez, marteau nécromantique, pourquoi pas. Je vais juste faire ça pour le bois. Voilà.
On y va, on y va, on y va. Ah, comment j'aurais bien profité de ramasser le blanc, gars. Voilà, c'est fini l'invincibilité. Non ! Va-t'en, calamar ! La famine et la peste ne sont visiblement pas suffisants pour t'arrêter. Ouais. Parce que... Ah oui, là, il vient de me supplier de l'épargner, c'est vrai. C'est vrai que c'est un gros bébé cadom, lui. Merci pour ce combat de fou. Là, du coup, je peux plus les avoir. Ouais. Ils ont 100% de chance de gagner un cœur, c'est oui. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Hop là. Bam. Bien joué, bien joué, bien joué. Juste les cristaux quand même. J'essaie d'aller vite, hein. Merde, j'ai pas vu ça. Je me suis fait surprendre. Putain, casse les couilles. Quoi ? Connu l'air, permet à l'adepte de jamais avoir besoin de dormir. Ah, c'est bien ça. Qui ne dort pas ? Partir par là. Oh. Ça fait plaisir ça. Pas ouf. Bien. Duplé les gars par 1,2, c'est bien ça. Hop les. Voyage. Je parle teint. Une hache maudite. En vrai, ce serait un peu moins lent. Ce serait un peu moins lent, puis ça empoisonne, c'est pas si mal. Allez. Maléfice consomme 25% moins de ferveur ou 10% de chance de bloquer, les gars, c'est bien. Allez, on y va. Oh, des aides, attention, des aides, j'arrive. Barzboub. Mais la foutre. J'arrive, belle, j'arrive au DZ. J'arrive au DZ, attention les Z. Alors, on essaie de partir avec la caisse. Oh oui. Oh merde, il y a un coup d'élossement, le coup. Alors au DZ. Alors au DZ. Hop 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 au DZ. J'arrive dans les ailes. Prie pour que tu sois déjà parti. Alors il est où les ailes? Bah bon, alors les ailes. Bah alors les ailes. Ah bah ouais, faut se réveiller mon ami. Bah alors. On voulait se barrer avec la caisse. Non, les aides. T'inquiète pas, tu vas pas rester en prison très longtemps. Si on laisse pas les gens en prison comme ça, je suis pas un monstre. Je vais pas laisser les gens en prison comme ça. J'attends que tout le monde... que tout le monde s'endorme. Que tout le monde se réveille. Pauvre des aides. Il est emprisonné, on va pas le laisser comme ça. Allez, venez. Venez, venez, ça, je sais que vous traînez la patte, vous êtes pas content. Et la faute à qui, hein? Réfléchissez-y. Qui a détruit vos lits? Qui a fait ça? JPP de lui. Qui a détruit vos lits? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est ODZ Junior qui a détruit vos lits? Il est temps de ne pas pardonner. ODZ doit payer pour son affront. Il a voulu. Il a voulu. Ah, mais attendez, il est en prison. Je vais aller le libérer. J'arrive. J'arrive, les gars. Oh, bah, il me donne de l'argent quand même. Ça fait plaisir. Désolé, les gars, j'arrive.
J'arrive, tiens, je te l'émerge, gros. On va le faire enculer. Hop là. Ouais, j'arrive, bébé, j'arrive, je tombe. Hop, 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 allez. Il est temps d'apprendre à ODZ comment ça se passe ici. ODZ, ça dégage. On veut pas de rébellion ici. Pas de rébellion. Ça dégage. C'est ciao. Puis quoi encore? Oh, c'est bon. Vous pourrez manger les restes de DZ ce soir si vous voulez, si vous avez faim. En parlant d'avoir faim, est-ce que je peux vous faire un petit truc sympa là? Je sens que vous avez besoin là. Je sens que ça vous a foutu un coup au moral, cette histoire de... Cette histoire de lit, allez. Cette histoire de lit, ça vous a cassé les couilles? Je comprends. Je fais tout mon possible pour les réparer. Le plus vite possible. Mais ça coûte beaucoup de ressources et vous le savez. C'est pour ça que j'aime user du bois. Du précieux bois. Voilà, vous êtes bien là. Alors, qu'est-ce que ça récolte ici? Oh, bah c'est pas mal. Oh, oh ça pousse bien. Ouais, ouais, bébé, j'arrive. J'arrive, bébé, j'arrive. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit, le guide, j'en ai assez de devoir dormir dehors, même le sol. Les insectes me piquent, les pattes et mon dos me fait souffrir. Voyons me construire un endroit. Ah putain. Faut que je construise des lits. Construisez sac de couchage, mais il se prend pour qui? Il veut juste un vieux sac de couchage, lui. Non, enfin, je vais te foutre un sac de couchage, toi, tu vas voir. Tu vas dormir à côté d'une flaque de vomi, voilà. Je nettoie, mais je laisse l'odeur. Hein. Il veut quoi? Il veut quoi? Il est où? Ouais, ouais, j'ai fait ça pour toi, ouais. Un sac de couchage, on vit où, là? Bon, est-ce que je peux vous refaire des lits, maintenant? Je peux vous en refaire deux. Pourquoi ils sont pas contents? Ah, ok. Je ramasse un petit peu parce que bon, je sens que c'est long pour eux. Wouah. Mais ça pousse vite! Ça, c'est quand on met du caca partout, ça pousse bien. Ok. On veut encore, on veut encore. Ça demande trop de ressources, ces histoires. J'en peux plus. Hop. Oui, oui, il y a d'autres. Eh. Ça commence. Ça commence à se reconstruire, tout ça. Je peux en refaire un abri du collectif. Enfin, l'abri pour 3 personnes. En plus, ceux-là, ils sont incassables. Ah, vous aurez des beaux abris et des abris incassables. Personne le fait, celui-là. Ouais, c'est pour vous, le lit, hein. Hop. Et petit à petit, il y aura assez de lits pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a déjà assez de lits pour tout le monde, du coup. On est combien, là, dans le village? 15 personnes et 14 maisons. Non, mais il y a pas assez de lits pour tout le monde, du coup. En plus, je dois aller accueillir quelqu'un, là. Allez, on va l'accueillir. Accueillons chaleureusement Yves. Allez. À vous de jouer. Je vais aller regarder vite fait. J'aurais bien aidé, mais bon, oh, ODZ, hein, pas à nous. Hein. Je vais aller regarder vite fait si mes légumes sont bons. C'est pratique un air fryer, putain.
Qu'est-ce que c'est bien. Il m'a fallu de 3 minutes pour découper les trucs, les foutre dedans. Et retourner stream. Et 20 minutes plus tard, j'ai plein de petits légumes très bons. Allez hop. Califéry. Califéry, bah alors. Viewer de l'ombre ici encore. Bienvenue, j'espère que tu es sur ordinateur et que tu peux faire ton personnage, je t'en supplie. Bien joué. Oh, une petite baleine. Ça fait une petite baleine ici, Califéry. Quelle heure, midi 10, on a encore un peu de temps, on a encore le time. Poupi, poupi, pi. Ok, Califéry qui est cynique, mais obéissant, donc ça va. Bienvenue, Califéry. On te souhaite de ne pas mourir dans la trans souffrance. Elle a bien travaillé aussi, hein. C'est un vrai film. Oh, il y en a un deuxième. C'est là où ça se passe. Oula. Clémence, scepticisme. Après, il ignore les rebelles, donc ça va. Allez, à l'autre. À l'autre tirage au sort. De l'ombre, on est présent depuis 3 jours de suite pour une fois. Eh ben, ça fait plaisir. J'espère que vous serez quand même présents les jours où je ne ferai pas que du culte de l'ombre. Et les jours où je streamerai pas que le matin aussi. C'est vrai que le matin, c'est une horaire qui convient à beaucoup de gens. Visiblement, hein, vous êtes plus d'une cinquantaine en général, là. Ça fait plaisir. Shalom bah à vous. Shalom bah à tous. Je vais te dire. Bravo, Litoons. Litoons. De l'ombre aussi. De l'ombre aussi, Litoons, non. De l'ombre ou nouveau. Je serai jamais dans le culte. Bah, ça arrive, hein, malheureusement. La malchance des tirages au sort. Bon, c'est un petit arbre. Petit arbruste. Il n'existe pas. Nouveau. Ah, et bah écoute, bienvenue. Tu prieras, Litoons. On a besoin d'un maximum de foi. Alors, ça va, Ceci ? Bah, qui fait ça, là ? Qui s'occupe du troisième, là ? Y'en a un qui vient bosser ? Personne bosse, là. Ah, mais c'est parce que ça te construit les lits, tout va bien. Bon, blanc, ça commence à me faire chier de les voir comme ça, les lits, quand même. Hein. On a des lits pour tout le monde, là ? Tout le monde a de quoi dormir ? Exceptionnel, hein. Exceptionnel. Oh les dons, oh les dons, oh les dons. Oh les dons qui battent leur plein, ça c'est bien, ça, c'est ce qu'on veut voir. Ok, bon, vous avez faim, non? Qu'est-ce que j'ai récolté pour vous? J'ai récolté pas mal de viande. J'ai pas récolté le chou-fleur et tout, là. 25% de chance de régénérer des ressources ou d'être... et 5% d'être malade. Ah. Ça vend pas du rêve, hein, dit comme ça. Mais bon. Ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Bol d'excréments, étayé par l'âme bien, je crois. Ah mais attendez, vous allez manger vos morts. Vous allez manger les morceaux de Michel, là, qui est mort tout à l'heure. Un petit mélange ordinaire. Plus comme d'habitude, hein. Enfin, un petit mélange pour tout le monde, hein. Allez. Il y en a pour tout le... Pour tous les estomacs. Cram, 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 cram. C'est bon? Apollo Alcolo. Oh, content. Merci. Ils sont contents, c'est bien. Ça va pouvoir bien bosser, ça. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut voir. On veut que ça bosse à l'onf. C'est bon, là, personne est en train de se chier dessus, de vomir ou de tomber malade. C'est magnifique, ça. On a eu que du bon. Que du bon dans cette histoire. Eh ben, nickel. Bon, il faut qu'on sache un truc, là. Est-ce que... Non ! Apollo Alcolo, non. Oh, salut, mon pote. Salut, mon pote. Allez, bah, tout le monde gère, bon, oh là là. Oh là là, oh là là. C'est bon, ça arrive. Certains membres du culte racontent dans votre lot que vous devez faire. Faites-vous une démonstration de votre force et tuez Califéry.
Mais Kelly, Ferry vient d'arriver. Attendez, mais... Litoons et Kelly Ferry, vous venez d'arriver. Et vous voulez vous battre. Kelly Ferry, Les règles sont les règles. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Je suis désolé, les règles de la jungle. Hein. Que de la haine dans ce culte. Mais c'est quoi cette dinguerie, là? De nouveau, et les deux nouveaux sont en mode « Eh, il faut le tuer !» Un Kali... Putain, un Kali, quoi. Y'a un truc, là, je peux même pas le prendre. Ah, si, je peux. Putain, ça dégoûte, quoi. Est-ce que vous pouvez ne pas rester devant le cadavre que je puisse, genre, le je sais pas, le prendre, par exemple? Pas obligé de le prendre. On découpe un petit adepte, ça fait du bien aussi. Ça fait à manger pour tout le monde. Kali, Kali... Mais ta gueule! Putain, j'en peux plus de ce truc qui croit à chaque fois que je lui donne des ordres. Un aspirateur, le frère, il croit qu'on parle. Il croit qu'on discute. Hop là. Voilà, bon. Kali Ferry, on va attendre la nuit quand même. On va attendre la nuit, on n'est pas des animaux. Et pour monter le piégeur, c'est bien, ça nous fait de la viande. C'est plutôt pas dégueu. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? On va faire un cercle d'invocation 2 pour avoir deux personnes qui viennent avec moi en mission. Raffinerie 2 pour avoir plus de stock. Poste de nettoyage, vous. C'est vrai que... le pack purificateur et le rituel au rabais, j'aimais bien. Quoi ça, morgue? Vous êtes peut entasser les corps ici pendant votre absence, mais elle doit être vidée avant d'être pleine, sans quoi vous êtes ton bon malade. Ah, c'est utile aussi ça, mais bon. Oh, les rituels au rabais. Les rituels au rabais. On dépense moins. On dépense moins et on fait plus de rituels, et ça c'est beau. On dépense moins et on fait plus. Oh, les rituels rapides aussi, oh là là. Mon rêve. Mon rêve, tout simplement. Sinon, tu peux accepter, mais ne pas faire. Comment ça? Moi, accepter une quête et ne pas l'honorer? Qui a dit ça? Sansti, tu veux mourir à sa place? Franchement, ils auraient pu... Ils auraient pu dire tuer un mec au hasard. Auquel cas, ça aurait été drôle de vous faire voter. J'aurais adoré vous faire voter pour qui va mourir. Malheureusement. Kali Ferry, viens là. Viens là, Kali Ferry. Kali Ferry, viens. Ouais, viens là, Kali Ferry. Allez, toi. Qu'est-ce qu'il y a là, Kali Ferry? Oh. Kali Ferry, Kali Ferry. Ah, Kali Ferry, voilà. On va attendre que tout le monde dorme, tranquillement. Pourquoi les Toons, il n'y a pas de... Pourquoi il y en a, ils dorment pas dans des lits, alors qu'il y a des lits pour tout le monde? Oh, mais Kali Ferry, elle travaille en plus. Kali Ferry, je suis désolé. Cadeau. Donne de l'argent. Donne-moi de l'argent et puis... Salut mon pote. Sache que Litoons, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas ce que tu nous as demandé de faire. On n'oubliera pas. Et voilà, Litoons. T'es content, Litoons? Shalom, Baka. Bah, il vient de me dire Baka. Elle va dormir. Mais sache que j'oublie pas ce genre de choses. J'oublie pas! J'oublie pas, Litoons. Alors, va bien dormir. C'est quoi, Litoons? Tu dors pas, toi. Toi, tu travailles, toi. Toi, tu dors pas. Tu t'auras plus le droit de dormir. Tu vivras... Qu'est-ce qu'il fout? Il met son lit quand même. Là où dormait. Là où dormait. Oh là, c'est terrible ce que je viens de vivre. Ce que je viens de voir. Allez, Toons. Toons, maintenant tu. Tu deviens.
L'iTunes, tu vas... Merde, comment je le mets, je le fais travailler quelque part, moi? Ah, là. Tu t'occupes de la ferme pendant qu'il fait nuit. Putain, l'iTunes, quoi. Ça dégoûte. Bon. Eh oh. C'est même pas lui qui... C'est même pas le gars qui m'a demandé le lit qui dort là. C'est pas juste l'éthique qui m'a demandé de dormir là. J'ai oublié. Bon. Allez, je peux vous refaire d'autres abris agréables. On va en faire un. C'est mieux que rien. Attends-nous. Et de la pierre. Merde. Merde, bon tant pis. Voilà. Oh, les Toons, bien dormi, les Toons? Salaud. Travaillez plus vite! Faut à les Toons, tout ça, si je suis énervé. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai beau être un monstre, n'oubliez pas que je suis pas un fils de pute. C'est inadmissible. Je propose à tous de faire revenir Califéry sur le camp. Mais vous avez également le choix de faire revenir n'importe qui d'autre parmi les morts. S'il y en a parmi vous sur le chat qui êtes morts, qui voulez vous défendre, actuellement avoir une tribune, vous pouvez. On peut ne pas oublier le Lucus hein, qui a beaucoup contribué. Apo l'Alcolo également. Vous pouvez faire revenir Califéry qui a duré littéralement 10 minutes. C'est comme vous le souhaitez. Je vous laisse le temps d'avoir une tribune. Fagno a envie de revenir. Je me souviens plus pourquoi il est mort, Fagno. De quoi il était mort, Fagno, déjà? Oublié. ODZ, je pense, méritait une seconde chance. Ah oui, Fagno, tu m'avais volé. Tu m'avais volé un truc, c'est ça? Non, t'étais vieux, toi. Non, c'est Tikimoon et Steph Luka qui avaient volé. Tikimoon et Steph Luka, ils avaient volé. ODZ, je sais plus ce qu'il a fait comme connerie, mais il est mort très jeune. Ah bah non, il a voulu se révolter et me voler un truc. Et Califéry est mort en 2 secondes. Donc voilà, maintenant, vous le savez. Mesdames et messieurs, à vous de voter pour qui reviendra à la vie. C'est votre choix. Votre décision, qui mérite de revenir dans toute cette histoire? Oh, je me suis pas fait chier à faire des lits pour rien, non? Au bout d'un moment. Vous avez eu le temps de faire votre tribune sur le chat, pour certains. Réutilisation 3 minutes 30, putain, Califéry, quoi. Pauvre Califéry. J'espère sincèrement qu'ils t'ont choisi, Califéry. Ah, félicitations, Califéry. Et on est de retour sur le plateau. La résurrection la plus directe qu'on ait jamais vue. Morte, revenue. Oh là là. N'oublie pas, hein. N'oublie jamais le pseudo de la personne qui t'a fait du mal. Car moi, je l'oublierai personnellement. Moi, je vais l'oublier parce que je suis pas doué. Donc n'oublie jamais son pseudo. Et en temps voulu, il faudra le ressortir. En temps voulu, il faudra en reparler. Litoons. Oh, Litoons. Attention, Litoons. On te voit, Litoons. Ah, nouvelle petite doctrine. On y va. Doctrine par rapport à la mort. Non, par rapport au travail. Faut bosser, les gars. Alors. Rituel permettant d'achever instantanément la construction de toutes les structures. Nul. Augmenter de 20% la vitesse de génération de la dévotion à l'hôtel pendant 3 jours. Ça, c'est oui.
Jamais fait celui-là. Ouais, jamais fait celui-là. En plus, ça nous permet de débloquer un maximum de choses pour votre plus grand plaisir. Voilà. Merci à tous, merci à vous pour tout ça. Voilà, c'est beau. Bah voilà, on est bien là. On est pas mal. Hein. C'est ça. Hein. Ça vous fait perdre un petit peu en bonheur. Ah ouais, pourquoi? C'est pas grave ça. Hein. C'est pas grave. Ce sera récompensé d'une autre manière. On a besoin de votre foi. Donnez un maximum de foi à l'hôtel, par pitié. Ça nous permettra d'avoir de meilleurs édifices. Chatouille, je décide de votre destin. Tu es Califéry. Oh non, dommage. J'ai aucune idée de ce à quoi va me servir le raisin, mais j'en fais. J'ai plus le grain de camélia. Ça repousse pas le camélia. Bon, faut bosser les gars maintenant. C'est bien sympa toutes ces histoires, mais faut bosser. Pourquoi est-ce que... Ah, mais tout le monde a chié par terre. J'ai vraiment cru que Camélia allait mourir. Putain, MK. Pourquoi vous avez tué MK? Qu'est-ce que vous avez fait? Un adepte aléatoire a été tué. Ah putain, ça aurait vraiment pu être elle en plus. Ça aurait vraiment pu être Camélia. Oh là là. Putain, mais... Ils ont gerbé au pire endroit possible, gros. Oh non... Prendre butin. Ah bah oui. Je sais pas ce qu'il avait, mais je le prends. Putain, mais laissez-moi le... Laissez-moi le barrer, putain, au pire endroit possible. Putain, vous avez tué quelqu'un, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Putain, je peux rien en faire, en plus. Obligé de le foutre dans un trou, là. Je voulais le découper, mais j'ai pas réussi. Putain... Eh merde, il faut le construire, là-bas, le trou. Putain, du coup, tout le monde est pas content. Vous cassez les couilles. Vous cassez les couilles, tous. Oh, ça suffit, arrêtez de me demander des trucs toutes les deux secondes, laissez-moi. Par pitié. Laissez-moi faire ma vie. Arrêtez de me suivre. Putain, je vous répare vos merdes, là. Ça, vous serez content. Qu'est-ce que je veux son quoi? C'est bien parce que vous avez le pouvoir de faire grandir la culture en un clin d'œil, est-ce vrai? Oh. Ok, à une condition... Oh putain, mais rien n'a poussé. Ok, bon alors, c'est une putain de bonne idée. C'est une putain de bonne idée en fait. J'ai une idée de zinzin. Ah, vite, on va faire ça. Ça va leur faire plaisir à tous là. Allez, on fait pousser. Mais non, mais. Ah si, ça leur fait plaisir, ok. Oh, très bonne idée. Très bonne idée finalement. Je sais plus qui l'a demandé, mais. T'as bien joué. Oh là là. Oh là là. Au meilleur moment, il l'a demandé. C'est bon. Oh, ça fait du bien. Pourquoi t'es malade, toi? Mais j'ai les Youps sont en train de se battre. Non! Arrêtez! Bon, après, non, ça va en fait. Si c'est pour vous faire plaisir. Si c'est pour faire plaisir à tout le monde, là. Tout le monde a l'air investi. Tout le monde a l'air investi dans ce combat, alors bon... Je veux pas interrompre une bagarre qui fait plaisir à tout le monde, hein. Bah putain, il a encore gagné, Tommy Giel. Oh, il est trop fort. Il est trop fort, Tommy Giel. Il arrête pas de gagner tout ce combat. J'ai envie de me battre contre lui, moi. J'ai envie de me battre contre lui, hein, je vous le dis. Bon,
Bras droit, t'es malade, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi bras droit est malade, mais... Allez, bien joué. Et Youbs, pareil. Youbs vient, ah oui, bah voilà. Il fallait dire non à la violence. T'as pas dit non à la violence, tout en as pris plein la gueule, j'ai envie de dire... Arrêtez, quoi. Bon, fallait gagner, sinon. En gagnant, c'était bien. Qui dort là, je sais pas. Bon là, on a du lit, hein. On en a du lit. Des camélias, pitié. Il faudrait des graines de camélia, j'en ai plus. Ça me donne des graines? Ok, ça me donne des graines. Youbs et Tommy Gilles sont en train de se battre encore! Oh là, ça suffit. Oh! Bagarre entre deux avets interrompus. Youbs et Tommy Gilles sont en train de se battre en... Mais... Ah bah voilà, tiens. Alors tiens, Tommy Gels, t'apprendras. En bout d'un moment, ça suffit, hein. Bien joué, Youbs. Allez, Tommy, tu commences à casser les couilles, gros. Gros, tu nous as cassé les couilles, hein, je te le dis. Bah oui, bah t'es blessé, j'en ai rien à foutre. Tant pis pour toi, Tommy. Fallait pas. Peut-être se battre comme ça. Putain, mais personne bosse, là. Personne bosse dans ce village de cons. Oh, j'ai plus de bois. J'ai plus de bois. Ouais, c'est une catastrophe. Catastrophe nationale. Oh, j'ai même plus assez de bois pour faire un poste de bûcheron. C'est une catastrophe. Arroser mes camélias et mettre un caca arc-en-ciel dessus. Oh mais ça fait pousser instantanément un caca arc-en-ciel. Ah oui d'accord. Oui c'est fort. Quoi, y a pas eu de graines? Santo. Santo ce qui se passe. Il va falloir que je rachète des graines de camélia hein, parce que là, vu tout ce que vous foutez sur la gueule, c'est bon. On tombe hygiène. Je sais pas quoi faire de toi, Tommy Giel. Si tu te bats contre tout le monde tout le temps, on va mal s'entendre. Putain, mais je peux... Oh, s'il te plaît, du bois. Ouais. Putain, mais c'est la merde sur le camp, là. C'est la merde, les gars. Vous foutez trop la merde, hein. Vous êtes indisciplinés, hein. Quand c'était Mario, Luigi et compagnie, là, c'était plus simple, hein, bizarrement. Putain, et voilà. Et c'est l'heure de dormir, et ça bosse pas. Oh, par contre, ça... Ça, je vous l'admets, hein, vous avez donné, hein. Vous vous êtes donné là-dessus, c'est beau. C'est déjà ça, au moins. Cuisine, ouf. Vous êtes au moins donné là-dessus, je peux vous l'admettre. Raffinerie, c'est quoi, déjà? C'est pour juste pour en faire plus. En soi, si je suis assez organisé, j'ai pas besoin de ça. Quoi, ça? Tente du guide. Un lieu de repos digne du guide et de sa couronne. Je peux dormir, moi aussi? Excusez-moi, mais je vais peut-être penser un peu à moi. Moi, j'ai pas eu le droit de dormir depuis que je suis là. Alors, il est temps pour moi d'y penser. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ok. Culte amélioré, voilà. Comme ça, vous êtes un peu content. Ça fera du bien, hein. Traduit, putain. Putain. Mais je ne peux plus rien vous demander de construire, là. J'ai plus de ressources. J'ai un peu de pierre. J'ai de l'argent encore, j'ai plus d'argent. J'ai plus rien, vous m'avez tout pris. Vous m'avez tout pris, bande de bâtards. Putain. Heureusement qu'il travaille la nuit, hein. Heureusement, Litoons, que... Qu'est-ce que tu fais tout? C'est la fin de ma mère si tu me demandes de buter un mec. Je vous offrir ma vie, s'il vous plaît, tuez-moi. Faites-le durant la nuit quand personne ne pourra nous voir. Alors là... Je vais le démarrer, cet enculé. Litoons, tu l'as demandé. Litoons, tu me l'as demandé la nuit, en plus.
D'abord, tu me donnes ton argent. Je te le prends. Tu m'en voudras pas, mais bon. Je récupère mon collier. Et on découpe. Morale de l'histoire, Lee Toons est mort. Et Kaya est revenue. J'ai une nouvelle relique. Pendant le roi Aka, les cadavres ont une chance de se réanimer et de combattre à vos côtés dans les donjons. Ah ouais. Ok. Pourquoi pas. Bon bah Lee Toons. Je plante vos choux aussi vite que possible sur mon mineur, ne me tuez pas. Ah bah non, tu l'as demandé. Moi je suis désolé, je suis... À partir du moment où c'est demandé hein. Ok. Planter un camélia, l'arroser, et mettre un fertilisant de fou dessus. Voilà. Peut-être que ça donnera plus de graines. Un fertilisant doré dessus, on verra bien ce que ça fera. Si j'y pense, hein, parce que... Je le verrai pas forcément. Bon par contre, en contrepartie... Putain, y a, c'est quoi ça? Mais Tommy GL, mais oh, Tommy GL, tu te soupes. On va dormir. Ah, je te soigne pas, hein. Tu t'es mis dans cet état tout seul. Me combien l'honneur, il y a un login, merci. Ouais, bah oui. Du coup, c'est Yubs. Le truc de la quête, c'est Yubs qui l'a eu. Ah, ça continue de faire des dons, merci beaucoup. On en a vraiment besoin. Bon, là, comment c'est, il y a beaucoup de vieux dans cet endroit, vous trouvez pas? Beaucoup de vieux. Bon, où est qu'elle est? Elle est où? Elle est où, celle-là? Kali. Kali Ferry. Maintenant. Tu... Ah. Je te donne le conil lunaire de Titoun. De Titouan. Et maintenant, go, go être fermier aussi. Plus vite! C'est important, c'est important. Merci, les gars. Bon, nouvelle journée. Oh, j'ai l'impression que je peux plus faire de longs jours, vous me demandez tellement de choses tout le temps. C'est interminable. Interminable. Allez, petit sermon, hein. C'est interminable. Maintenant, les rituels, est-ce que je peux vous faire un truc intéressant? Un petit duel, ça fait plaisir à tout le monde le duel. Petit duel de vieux là. Petit duel de vieux. Petit duel de vieux là, saucisse et Godefroy. Allez. S'il y a bien... c'est bien quelque chose qu'on a retenu de nos ancêtres, c'est qu'ils étaient bons au combat. Allez. Vous êtes pour qui? Moi je suis pour Godefroy. Allez. Ça dégage. Bien joué. Je vous rappelle que vous pourrez vous délecter du cadavre du perdant. Voilà. Bien joué, saucisse. Et on est bon là. Je peux pas encore l'adopter. Ah non, je peux pas encore. Ah, c'est beaucoup plus dur d'avoir les doctrines depuis que j'ai pas le truc inspiré, hein. Vous avez la dalle. Oh non! Putain! Arrêtez, arrêtez. Pitié. Allez, vous allez manger de la viande parce que là, voilà. Et un plat de charles adeptes. Pour tout le monde. Qu'est-ce que vous bouffez, bordel? Qu'est-ce que vous pouvez bouffer? La saucisse? T'as gagné un combat, hein, tu l'as mérité. Sismas, allô? Tous les élèves se sont endormis grâce au chat. Et je vous ai fait à manger? Vous dormez pas du tout? Bon bah... J'ai juste décidé de pas manger, en fait. Vous êtes au courant qu'il y a à manger par terre, là, quand même? Ça a pas marché votre truc. Désolé. Ça a pas trop marché. Hein.
Voilà. Je me barre avant qu'il y en ait encore un qui me demande de le tuer ou quoi là. Ça suffit maintenant. Allez. Et Alan, viens avec moi. Alan, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. Oh, rien à foutre hein, du gars là. Allez. Oh, petite graine de camélia. Petite graine de camélia, ça pourra m'être utile, je pense. On va casser la gueule. On va casser la gueule un petit peu. Dague vampirique, ok, ça c'est pas dingo, hein. Yo. Oh, j'ai tellement plus de ressources, j'ai tellement besoin de bois. Putain! C'est long. Voilà. Oh non! Laisse-moi tranquille! Ouais. Allez, on va se battre contre des araignées, c'est parti. Hop là! Pas très impressionnant. Hop! Hop! Voilà! Je croyais que j'ai peur de ça. Oh, j'ai plus peur, moi. J'ai plus peur des araignées, c'est fini. Merde! L'enculé! Bâtard, je mets un dépôt. J'avais oublié que ça faisait ça. Sol est prêt là, arrête le temps pendant une courte moyenne. Ok, une courte durée, pardon. Saucisse est morte, bah tout ça pour ça. Ça va écouter se battre. Hein. Tout ça pour ça, saucisse quoi. Alors. Vague d'attaque multipliée par 1,25. Allez. Bien ça. On garde l'argent parce qu'on en a besoin. Hein. Merci. Bim. Hop là, je prends le poisson. On essaie de prendre le max de poisson parce que ça va faire du bien, ça. Ça va faire... On a besoin de manger ici. Tommy G, la guérisse à la blessure, bravo. Oh Tommy. Maintenant il va aller se rebattre avec d'autres gens. Il va aller se rebattre. Faut faire les osselets un jour, bah... Franchement la flemme ça rapporte rien d'intéressant. Et en plus de ça c'est full luck et la dernière fois ça m'a trop énervé. Honnêtement... J'ai déjà assez de temps sur l'autre truc. Pour perdre du temps sur les osselets qui ne servent absolument à rien. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, il y a deux personnes qui sont mortes, doit peut-être falloir remplacer Vitef. Là, on a un petit magasin plus. Ah ouais, ça fait deux trucs de... Bon, allez. On va aller voir la chatte. C'est rien d'intéressant à me donner, quoi, putain. Fragment de pierre de commandement, une apparence, bien sûr. Je sais que vous voulez les apparences adeptes. Les petits oiseaux. Je sais que vous les voulez. Et de la viande. Deux personnes sont mortes, dont deux personnes nous rejoignent. 84% de réduction. C'est qu'il va pas... Il va pas avoir une très grande valeur, celui-là. Il va vivre... Il va vivre moins longtemps que les autres, lui, j'ai l'impression. Il vient d'être gratuit, grosso modo. Grosso modo, il m'a rien coûté. Il m'a coûté deux pièces, le frère. Tiens, à chaque fois, je me dis, ouais, ça va interrompre leurs attaques. Pas du tout.
Casse-toi. Bon, j'avoue, là, je cherche un peu, des fois. Voilà. Pas ouf, hein. Franchement, je veux plus le dague. C'est trop chiant, les dagues. J'avais pas assez de dégâts. Mais putain, c'est de la merde, les dagues, j'aime pas. Je peux plus, les dagues. Heureusement que j'ai la dague vampirique. Hein. Du coup, je récupère quand même ma vie, au final. Au moins, l'avantage de la dague, c'est que à chaque coup, je peux récupérer un peu de vie. Potentiellement. T'as pas construit le poste d'exposition dans ce coin d'ailleurs. Pour être honnête avec vous, je le trouve inutile de fou ce truc. Ça rapporte rien par rapport au risque que ça génère. Tu demandes à un mec de ne pas travailler pendant 3 jours et demi pour qu'il rapporte 3 morceaux de viande et qu'il ait 10% de chance de crever. Bon bah bisous. Franchement, nique sa mère. Quand t'as le mec qui a le saut de mission à la limite, c'est un peu plus intéressant en endgame. Mais là... Là c'est non. Hein. Là ça sert à que dalle. Mais putain, mais j'ai fait une esquive, bordel de merde. Ah si, ça me saoule. Je les déteste, ces monstres là. Casse-toi, tire-toi. Oh, je déteste ne pas avoir de puissance, horrible. Ouais, c'est bien sûr. Hein. Pitié, donnez-moi mieux que ça. Hop là. Merci. Hop là. C'est one shot ou c'est moi? C'est le one shot. T'es niveau 9 hein. T'es niveau 9 donc tu fais des dégâts incroyables hein. C'est pour ça que c'est extraordinaire hein, ce que tu nous proposes Alan. T'as le meilleur type d'assist du jeu et en plus t'es niveau 9 donc Donc t'inquiète pas que ça fait plaisir. T'inquiète pas qu'on se régale. Ah putain déjà? J'ai zéro carte. J'ai zéro carte, j'ai zéro buff. Oh, le boss ça va être un enfer. J'ai une carte et j'ai 4 points de vie, top. Ah oh, on va s'amuser hein. Putain en plus c'est l'un des boss les plus durs. Vas-y, il y a 50% de chance que je pète un câble pendant le combat et que je crève. tout mon stuff est à chier. Aïe 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 aïe. C'était vachement esquivable là dans mon cas. C'est vrai, il y a pas trop de mobs sur la map en plus. Putain, casse les couilles gros. Il y a vraiment trop de trucs. J'en ai rien à foutre. Mais c'est vraiment les pires mobs du monde hein, pour l'assist en plus. Allez, ça dégage. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ces niaiseries là. Excuse-moi, Paul Alcolo. Excuse-moi, Paul Alcolo, j'ai lu hein, ton message.
Toi, tu vas pas revenir, hein. Ouais, mais je peux rien le faire, mais je peux pas te faire revenir non plus. Hein. Et là, c'est... Oh my god! Ah, c'est Mayinato pour ton petit sub prime. N'hésitez pas à vous abonner. En plus, on est pas loin des 100 subs là à nouveau. Ça fait plaisir. Vous n'avez plus de pub et ça soutient de fou. Merci beaucoup à ceux qui le font. Ok, bon. Même avec ce stuff pourri, je m'en suis sorti. Allez, on y va, on retourne au purgatoire là. Voilà. Tu peux ne pas le faire revenir, mais aussi. Ouais, mais je peux le tuer. C'est ça qui est bien aussi. Félicitations, tu as battu un mec. Au revoir. Voilà. Littéralement ce qu'il vient de me lire. Quoi mal. Quelle heure 1050, je vais pas tarder à y aller moi. En vrai, ouais. Bah, en vrai, je vais y aller. Je vais faire 2-3 trucs au camp, et puis après, on va se dire. On va se faire des bisous, et on se dit à la prochaine, quoi. On va accueillir deux nouvelles recrues, bien sûr. Ah, il y a quelqu'un de malade. Quelqu'un de malade et quelqu'un qui est fatigué. Allez! Je pense que vous soyez tous là pour vous encourager de vive voix. Je vous encourage de vive voix, bien sûr. Ouais, c'est bien, bravo à tous. Je vais juste aller voir un truc. Comment ça? Le chat Twitch décide de votre destin, mais par rapport à quoi? Et vous venez à peine d'arriver? Quoi? Drôle. Putain, ça veut dire... Incroyable. Est-ce que vous pouvez me laisser, genre, tuer le gars? Je découpe la viande de saucisse. Je découpe la saucisse. Voilà, de la saucisse pour tout le monde. Putain, mais ça donne que dalle, c'est à chier, gros. Oh, va dormir, Weber, casse pas les couilles. Et toi, Alan, pareil. Alan, t'es fatigué. Mais Alan, mais... Tu es fatigué, Alan. Va dormir. Putain. Ça aurait été très drôle que l'autre que vous ayez tué au hasard soit revenu au hasard. Vraiment pas de chance, MK. Hein. MK, vraiment zéro chance. Hein. T'avais une chance sur deux d'être résurrect. Et j'ai l'impression que c'est long. J'ai l'impression que c'est long, mais c'est... Quoi? Deux secondes! Qu'est-ce qu'il y a, Kali? Notre base est assez austère, nous avons besoin de voir plus de beauté, construisant de jolies décorations. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça manque vraiment de décoration. Mais pourquoi il y a des mains qui sont jointes, là? Et il y a quelqu'un qui essaie de me... Qui essaie de me faire du mal? Quelqu'un qui essaie de... dire du mal de moi? Quelqu'un qui essaie de dire du mal de moi? Quelqu'un le... C'est qui? Mais c'est personne. Vous mentez. Y'a pas de problème de foi, là. Tandis qu'ici, ça a bien charbonné. Hein. Ça a bien charbonné, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Bien sûr, ma tante du guide. Je veux, moi aussi, avoir le droit de dormir avec vous, quoi. OMG. Je peux dormir, c'est énorme. Charme ? Oui, je sais. Il va falloir que j'y aille, du coup. Mais laissez-moi quand même profiter un petit peu de... du temps passé avec mes amis. Mais Alan, mais va dormir dans un putain de lit ! Mais vous avez pas de lit, là ? Alan, il a pas de lit ! Mais il a un putain de lit, j'ai pété mon crâne. Ouais, s'il a envie de dormir par terre. J'en veux plus. Oh là là. Y'a plus rien là. Hop là. Putain, qu'est-ce que ça bouffe comme fertilisant ces conneries? Comment ça marche là, ces histoires là? Est-ce que ça pousse vraiment bien? Ah, par contre, ça récolte à donf ça. Oh, attendez, vite, il va faire nuit. Il va faire nuit. Mon sermon, le plus vite possible.
Allez, voilà. Oh là là, la vertu des dévots, hein, bien sûr. Pour avoir de meilleures armes dans les donjons. Croyez-moi que j'en ai besoin. Let's go. J'ai pas grand chose pour augmenter la dévotion des gens. Oh oui. Une nouvelle doctrine. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, c'est une nouvelle doctrine par rapport à l'au-delà. Alors, tous les membres du culte gagnent croyance des aînés. Dès qu'il y a des gens aînés... aînés. Dès qu'il y a des gens vieux, vous êtes plus heureux. Ou alors, si un adepte âgé est tué, sacrifié ou dévoré, mais moins 20 s'il meurt de cause naturelle. Alors ça. Alors ça. Ici les vieux. Ici les vieux, on les aime morts. On veut pas de vieux. Pourquoi ? Les vieux, ça prend des lits. Pour aucune raison. Alors qu'ils pourraient devenir de la viande, pour tous. Vraiment, ça c'est bien, ça. Ça c'est parfait. C'est exactement l'esprit de notre... exactement l'esprit de notre culte. Pourquoi il met ça, lui ? Ah mais oui, parce que je peux mettre ça. Je peux manger un truc pour gagner des cœurs. Oui, oui, oui. Hop là. Et on est bon. Au niveau des rituels, on a quoi là de l'ispo ? Rien, putain. Faut vraiment que je mette les rituels 50% plus rapide. Hein ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour ? Qu'est-ce qui se passe ? Et oui, la nouvelle mise à jour. Porte Juan, quelle joie d'enfin te parler. Tu as fait beaucoup de progrès, plus qu'il ne l'imagine. Porte Couronne, juge du bien et du mal, créateur de l'absolu, leur devoir est de t'obéir. Ils t'offrent leur fidélité et leur dévotion, mais ce n'est pas assez. Je peux sentir le péché qui suinte de leur âme. Récolte-le, rassemble-le, et utilise-le. Conduis-les à la déviance, dans l'inextricable et odieuse répudiation. Leur péché tient. Absous-les, innocente-les, délivre-les. Je vais te fournir les outils nécessaires à cette entreprise. Oh ! On dit qu'il en revient au dieu de juger le péché. N'oublie pas qu'ici, tu es leur dieu. C'est à toi de damner, de sauver leur âme. Va, je ne suis pas loin. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. C'est qui le patron ? C'est moi, c'est ça que je veux entendre. Je peux maintenant savoir à quel point un adepte a péché. Si vous avez péché, vous serez consumé par le péché, et je pourrai absorber votre péché. Et ça, c'est bien, ça. On va pouvoir faire de nouvelles choses, et ça, ça va être intéressant. Et ce sera la prochaine fois, putain. Bion. Oh là là, le péché. Bon, bah alors, le péché, alors. Bon. Dans quelle expression de la liberté réside le plus grand péché ? Laissez vos adeptes s'adonner au chaos et à la violence, élisez le chef de la colère et obtenez du péché. Ou alors, les adeptes s'affrontent dans une danse nue et provocatrice. Élisez votre danseur préféré et obtenez... Alors là, je vous laisse choisir. Le nudisme, la bagarre. C'est quoi, vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ici ? Est-ce que... vous avez envie de vous balader à poil, d'en avoir rien à branler. Ou est-ce que vous avez envie de vous battre ? Est-ce que vous avez envie de casser la gueule ? Sachant que là, vous allez être tout nu, ne rien branler. Là, vous allez vous battre. Entre vous, on élira le mec le plus fort du chat à chaque fois. Lequel des deux préférez-vous ? Être pépouze, la bite à l'air. Ou alors vous battre, la bagarre. Vous êtes en train de choisir, actuellement vous avez envie d'être à poil. Bizarre. Je vous bouge pas. Il y a encore temps de voter. Il y a 17 secondes pour renverser, si besoin, ou pour confirmer davantage. Vous avez voté pour la luxure. Eh bien c'est à vous
que revient la décision finale. Ah oui, 12. Ah, vous attendiez vraiment le dernier moment pour être en mode « Ouais, on veut vraiment être à poil. » Bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance du chat. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bizarre l'ambi. Ah, mais je vous le dis, hein. Je vous le dis, l'ambi est bizarre. Les élèves s'affrontent dans une danse nue et provocatrice. Putain. Ah, comment on le fait du coup? OMG! Vous êtes à poil là? Ok, observez bien. Observez bien qui. Qui est le plus. Qui est le plus provocateur du chat selon vous là ici? Je vous laisse voter. C'est à vous de voter. C'est vous qui êtes à poil. Hein. C'est vous qui êtes à poil. Qui est la plus grosse? Ou les plus. Ou les plus grosses. Les plus gros zèzes. Allez. C'est à vous de choisir. Chacun a voté pour soi, c'est terrible. D'accord, le jour défile pendant le vote, c'est top. On perd un temps fou. Vous avez voté. Youbs ! Youbs est la plus grosse, effectivement. Après, on parlait pas de son. Bref. Youbs, tu as été élu. Tu as élu top Moumout. Bravo à toi. Tu es très très fier. OMG. Quoi? Je viens de te balancer un truc dans la bouche. Le péché grandissait en moi, je me sentais insatiable. Mais vous m'avez accordé la rédemption et je suis à nouveau en paix, je vous remercie. D'accord. Bizarre, hein. Bon, ça a l'air de vous rendre très heureux par contre. Cette histoire de nudisme. Par contre, vous êtes à poil encore. Hein? Quoi? Temple? Les émotions du temple sont purement décoratives. Ah, oh, Je peux améliorer le temple. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, on a un nouveau sol, les gars. C'est énorme. Ah ah. Ok. Bon, du coup, je sermonne, hein, vous m'en voudrez pas. Bon. C'est un nouveau jour maintenant. C'était pas censé être aussi long pour être en attaque avec vous. C'était pas censé être aussi long, mais écoutez. Allez, hein. Et vous êtes tous à poil. Oh non, me dites pas que. Oh, vous allez pas bosser. Tommy G et les Youbs, non. Encore. Mais pourquoi vous deux? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Oh non, vous... Oh, vous bossez pas. Oh, vous bossez pas, vas-y. Oh, vas-y, vous bossez pas. Allez, Youbs, qui s'est encore fait casser la gueule. Bah, super. Putain, vous bossez pas, ça dégoûte. Et ça dure combien de temps, là, le fait que vous bossiez pas? Arrêtez d'être à poil, y'a que moi qui ai le droit. Putain. Bah alors, tu te fais casser la gueule, mon gros. Oh là là. Oh non, Weber, il va dormir. Hein. Putain, je dois aller. Autant vous dire que c'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours, ça. C'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours, parce que vous, ne pas travailler... C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Voilà, moi je suis là et je peux plus rien faire. Je dois faire des décos. Je dois faire des décos avant de partir. Avant de partir, je fais des petites décos. Déjà voilà, on va faire des petits trucs sympas. Qu'est-ce qu'on a là? Oh. C'est grand comment ça? Oh, c'est énorme. C'est énorme. On va mettre ça devant vous là. Vous oubliez pas quoi. Okay.
Ah, 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 ah non mais c'est important. Que vous sentiez que vous sentiez bien quand vous allez dormir quoi. Ouais, ça coûte cher l'accord mais vraiment c'est le fruit de mon travail aussi. Une petite fontaine, je sens que vous avez envie d'une fontaine, non? Putain, les petits... ça rend fou. Oh, vous me rendez fou, là. Y'a pas une fontaine, tout à l'heure? Oh, j'en peux plus de mon aspirateur, je vais l'éclater contre un mur. Ah, la petite fontaine, voilà. Une petite fontaine, là. Ta gueule! Putain. Petite fontaine à côté de vos... Petite fontaine à côté des chiottes, là. Comme ça, vous pourrez aller vous laver. Vous pourrez aller vous laver après avoir chié. D'ailleurs, je vais mettre une deuxième toilette, hein. J'en peux plus vous entendre, la fille. Putain, ma tante. Je peux même pas la faire, vas-y. Putain, vous bossez pas, ça me dégoûte. Personne n'a le droit de ça, hein. Personne n'a le droit de pas bosser, ici. Hein. Vous faites même pas les constructions. C'est horrible, hein. C'est horrible comme truc. Pourquoi est-ce que ça existe? Oh. Oh, l'enfer dans lequel je vais être lorsque je vais revenir la prochaine fois. Je vais revenir, personne bosse. Tout le monde est à poil. C'est terrible. Je vais devoir y aller, mesdames et messieurs, je vous avais prévenu. Sinon après, je vais pas avoir le temps de manger. Donc je vous dis à la prochaine. A bientôt, YouTube. Qu'est-ce qui va se passer les prochaines fois? Qu'est-ce que ça va nous apporter de cette histoire? J'ai très très peur. J'ai très très peur de cette histoire de... Cette histoire de nudisme. Oh. Bisous, YouTube. Salut, mon pote.